lance gauche 5 rochers extérieurs après jonction. Droite 6, long 80. Gauche 5 semi-long. Pas là. Droite 6 moment. Après jonction. 80 après jonction. Attention virage, gauche 1 sans couper. Et salut tout le monde, c'est Beryl Harris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dirt Rally. Nous sommes sur la ligue, Beryl Harris League. On est sur la deuxième étape de la première épreuve. Et on est en Allemagne, toujours bien sûr, à Krönzenring. Krönzenring, je sais pas si je le dis bien. Krönzenring, enfin bref. Donc on va commencer, je suis avec la Mitsubishi Lancer Evo 10. Donc j'ai fait le meilleur temps lors de la première étape et on va essayer j'ai bien dit essayer de continuer sur cette lancée. Hop, voilà, allez, let's go. Ah oui, il faut réparer aussi, je peux réparer, donc autant le réparer même s'il n'y a pas grand chose à réparer. Ok, bon, au moins il sera tout neuf, c'est parfait. Voilà. Allez, démarrer l'étape. 5, 4, 3, 2, 1, go. Attention, freinage virage 90 degrés gauche sans couper par portail. 200. Attention, chicane serrée, entrée gauche 150. Attention, chicane serrée, entrée droite 150. Attention, virage épingle couvert, droite sans couper, descente crochet à la sortie. 130 dans descente. Gauche 5. Virage droite 2, corde en divers négative. 130 après jonction. Virage 90 degrés gauche, descente par portail 80. Chier. Droite 6. Gauche 6, 170. Attention, virage gauche, 4 sans couper. Sans monter. Crête. Ça, je vois pas bien là. 150. Attention, virage droite, 4 sans couper. Crête 250 dans descente. Attention, freinage virage 90 degrés droite sans couper, rocher intérieur et à la sortie. Virage gauche, 3 sans couper. Ah, putain. Gauche 6, 150. Attention, gauche 6. Virage 90 degrés, droite, immédiat sans couper. Sens. Crête. Droite 6, basse sur jonction. Sens. Possible saut 100. Attention, freinage épingle serré, droite, ballon de foin. Gauche 6. Droite 6. 60 descente. Gauche 5 après jonction. Prudence droite 4 sans couper. Prudence gauche 5 rocher extérieur après jonction. Droite 6, long 80. Gauche 5 semi-long. Pas là. Droite 6 après jonction. 80 après jonction. Attention virage gauche 1 sans couper. Virage gauche 1 sur crête sans couper. 300. Ah, c'est mieux ça. Gauche 6, 200 dans descente. Milieu sur grand saut 200. Wouhou. Milieu sur grand saut 200. Attention droite 5 sur crête possible saut trompeur. Freinage virage 90 degrés droite sans couper. Prudence rocher à la sortie. 80. Virage droite 1 sans couper. Prudence rocher à la sortie. Ça c'est mieux. Après jonction. Ça fait moins bien, c'est pas grave. On continue. 80 crêtes, gauche 6, après jonction 150. Droite 5 sans couper, après jonction. Gauche 5, après jonction, 100 sur arrivée. Bah, ça va, ça va.
J'aurais voulu faire encore mieux, mais 3-19, pas mal. Ah, mais j'aime bien que c'est parfait. Là, c'était pas parfait, mais bon, ça va, je suis content quand même. Alors, on va se refaire le replay. Let's go. Replay. Pourquoi y a pas de musique? Je sais pas. Ça a bugué. Il y a eu un coupage de son là. C'est trop bizarre. Attendez. Trop bizarre. Bon, c'est pas grave. Allez, on se fait ce petit ralenti, ce petit replay. Oh putain, la vache! Ah, j'étais un peu tendu là. J'étais tendu parce que je voulais faire vraiment la perfection. Et déjà là, j'ai touché là le deuxième croisement. Là, j'ai un peu touché. C'est bizarre qu'il n'y a plus de musique, il n'y a même plus le son de la voiture, c'est trop bizarre. À moins que c'est la télé, non, ça m'étonnerait. Ah non, ça n'a rien à voir. Ah, j'ai souvent aussi certaines lignes droites, je suis resté un peu sur le côté là. C'était tendu. Et bon, ça va. Je fais un bon chrono quand même. Apparemment. Elle a un petit coup, je crois. Là, je fais. Ça, c'est la plus grosse erreur de cette étape. Ce moment où je tape dans le rocher là. Je suis arrivé trop rapidement. Après ça allait, après. Je me suis rattrapé. Je sais que j'avais pas le droit à une deuxième erreur comme ça. Et le saut là à un moment, c'était énorme. Je sais pas c'est quand. Je crois que c'est après. C'est après ça, je crois. Du moins non pas longtemps. Et le secteur là, je trouve que je l'ai bien fait, je l'ai bien pris. Là ouais, là j'étais trop vers le. Voilà, là c'est là que je parlais. Trop sur le bas à côté. J'ai eu peur là un moment. Là aussi j'ai été un petit peu à droite. Ah ouais, c'est là, après là. Ouais. C'est les deux gauches là et après il y a la ligne droite. Les deux gauches, je les ai bien pris. J'étais content. Voilà, ça va être le grand saut. Attention. Ah, et là c'est un peu le piège de la spéciale, t'arrives en ligne droite et un virage assez serré on va dire. Mais franchement je l'ai maîtrisé là. Je l'ai bien maîtrisé, j'étais content. Voilà, bon, j'étais un peu trop sur le côté. Je suis arrivé trop rapidement. Mais en global, on va dire que c'était pas mal. C'était pas mal. Surtout que je crois que dans l'étape là c'était Raph, je crois qu'il était deuxième. Ouais, premier je veux dire. Raph premier et Alex il était troisième. Donc là j'ai dû prendre la première place. Bah j'ai fait le meilleur temps je veux dire. Donc 15 secondes d'avance. Ah oui quand même. Presque 16 secondes. Ah. Pas mal. C'est pas mal du tout même. Parce qu'il faut pas oublier, j'avais déjà des secondes d'avance. Ouh. Eh ben après deux étapes, premier avec 37 secondes d'avance. Et Raph qui est devant Alex. Alors ça c'est étonnant par contre. Voilà Alex, qu'est-ce que tu fous? C'est pilote de rallye ou pas?
Bon, en tout cas, on verra. La prochaine étape, c'est la troisième étape. Ça sera, par contre, ça sera pas un sprint, ça sera une étape longue, une longue étape. Donc, sûrement 7 minutes à peu près, un truc du genre. Dans les zones là, en tout cas. Donc, ça va être un peu plus compliqué. Va falloir rester très concentré. Donc voilà. Donc, je referai une vidéo tout de suite après, je pense. Donc là, je vais couper. Je ferai direct une vidéo derrière. Donc le nom, est-ce qu'on va voir le nom? Ouais. Hammerstein, ça sera donc la troisième étape de la première épreuve. Et je vais la faire tout de suite, même si je la ferai dans une autre vidéo par contre. Donc ça sera coupé. Donc pour cette vidéo-là, on va s'arrêter là. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouvera très prochainement pour la suite de l'épreuve 1 et de la troisième étape. Donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.